Salut à tous, c'est Cyanure et bienvenue dans ce nouvel épisode de Skyrim, du playthrough de Skyrim, le livre 4, le playthrough de la guilde des assassins. Et donc, et ben dans l'épisode précédent, on m'a donné... Oh, attendez, je vérifie un truc. Ouais, Homer pourra pas me déranger. Et ben en fait, on est allé voir Admon Montier, un mec que la mère de la nuit m'a demandé d'aller voir. Et il m'a demandé de tuer l'empereur, rien que ça. Pour ça, il va falloir que je fasse plein de petits assassinats pour préparer le gros assassinat de l'empereur. Et donc pour ça, eh ben, on va aller assassiner la mariée. On l'appellera comme ça. Donc on va s'incruster à un petit mariage à Solitude. Et puis on va voir comment on peut se démerder pour foutre un maximum le bordel et tuer la mariée. De préférence quand elle s'adresse à ses invités. Ça me permettra d'avoir une petite prime. À vrai dire, je m'en tape complètement de la prime. D'ailleurs, je vais peut-être même pas essayer de la prendre, la prime. Je vais... Ouais, si, on va la tuer devant tout le monde. Et donc, oui, c'est surtout que la guilde des assassins, qui est très peu connue et très peu crainte en Skyrim, si jamais on arrive à tuer l'empereur, alors là... Oh, faut aller jusqu'à Solitude. Oh. Oh. Fuck. Eh ben allez, on va aller à Mortal et puis on va marcher jusqu'à Solitude. Oh non, quel con de jamais avoir découvert ce... En fait, je vais faire simple, hein, je vais prendre la charrette à Mortal. Si charrette il y a. Oh non, chier, j'ai pas envie de marcher jusqu'à Solitude. Je vais encore me faire attaquer par des araignées, des loups, des poissons, des gens. Non, il n'y a pas de charrette à Mortal, ben ouais. Ben bien sûr, eh ben allez. On s'en tape du Jarl. Je veux juste aller vite à Solitude. Putain, je vais être pourri. Moi aussi, j'étais aventurier. Ouais. Oh oui. Et puis j'ai pris une flèche dans le genou. Oui, victoire. Passe ton chemin. Bon, finalement, ça me fait chier, donc on va prendre une charrette à Blanchet. Ceci dit, ça valait le coup de venir à Mortal. Pour ceux qui n'auraient pas compris, qui n'auraient pas encore été trop au courant des mèmes d'Internet ou même de Skyrim, ce mec vient de sortir la phrase la plus connue de Skyrim, simplement parce que elle est marrante. Et parce que tous les gardes la répètent forcément à un moment ou à un autre. Bijoule ? Je peux vous conduire à n'importe où souhaitez-vous aller ? À Solitude. Ah oui, c'est vrai, Solitude, quand on entre, il y a une bonne ambiance. Oui. Tiens. C'est votre première visite à Solitude. Cette belle ville est la capitale de Bordeaux-Ciel. Mais vous saviez. J'adore cette phrase. Oh, cette ville est la capitale de Bordeaux-Ciel. Mais vous le saviez déjà, je n'ai pas besoin de vous le dire. C'est bien amené. Je suis la reine de Solitude, la fille de l'empereur, invoquez des draps. Je rendrai l'âme de tous mes sujets pour un peu de confort. La reine Potema, qu'on dégomme d'ailleurs dans une quête secondaire. Il me semble. Parce qu'elle tente de revivre, je sais plus quoi. Ah, on arrive à Solitude en pleine journée, ça veut dire si c'est pas super cool. Ne me dis pas que tu me connais, sinon je te bute. À Solitude pour rejoindre la Légion, adressez-vous à Rickon. C'est bien, c'est bien. Il y a un effort de fait, il y a un effort de fait. Donc attention, vous êtes prêts. Pour ceux qui connaissent le jeu, vous savez ce qui va se passer. Et pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, eh bien, bienvenue à Solitude. Temps de chargement, avant. J'ai mis un peu de suspense, attention, qu'est-ce qui va se passer. Oh, mon dieu. Il se passe rien. Eh oh. Ça se trouve, ça va pas avoir lieu vu qu'il va y avoir le mariage. Je sais pas. Tiens, faut voir, on va voir ça. Est-ce que le fait qu'il y ait un mariage va annuler l'événement qui est censé se dérouler au moment où on entre dans la ville? Ah oui. Attention, grosse ambiance. Ils peuvent pas faire de mal à tonton Roquevire. Dites-leur qu'il est innocent. Il est innocent. En position. Svarit, tu dois rentrer à la maison. Vas-y. Allons, au travail. Oh, j'ai une idée. Aïe, aïe, aïe.
Rogvir, vous avez aidé Ulfric Sombrage à fuir la ville après que celui-ci ait assassiné le haut roi Thorig. En ouvrant les portes à Ulfric, vous avez trahi le peuple de Solitude. Il n'y a pas eu meurtre. Ulfric a défié Thorig. Il a vaincu le haut roi en combat singulier. C'est notre façon d'être. Telle est la coutume de Bord de Ciel et de tous les Nordiques. Qu'il meure. Je vais tenter de calmer le bourreau. Merde. Aujourd'hui, je vais assommer une garde. Merde, il va le faire, vite! Non! Je me suis chié. Reviens en arrière. Je vais tenter de refaire la même descente. Ouais. Tiens, tiens. Attention, baston! Je me suis planté! Je suis nul. Je suis trop nul. Baston, vite! Bonjour. Oh, il est mort! Il est mort quand même! Wow! Wow! Vous êtes des noobs! Aïe! Des noobs! Des noobs! Émeute en ville! C'est la massacre! Battez-vous entre vous! Aïe 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 aïe! Oh, madame a une flèche dans le dos! Oh, quel combat! Hein? Des noobs, des noobs! Battez-vous entre vous! Des noobs! Ah, les cons. Qu'est-ce que tu veux, toi? Wow! Calmos! Merci. Oh mon dieu! Qui est mort? Aïe! Wow, l'Orgonien! Bon, je vais pas non plus foutre complètement le bordel. Donc on va revenir en arrière. Je dois avouer que c'était marrant. Je vais à Sauvengarde. Si vous voulez aller au Palais Bleu, vous devriez changer de tenue. Je t'emmerde. Oh non, on a tout raté! Bonjour! Palais, je peux lui parler. Oh mon dieu! Un garde pourrait devenir nerveux en voyant une femme approcher. Vous ne seriez pas mercenaire par hasard? J'ai un petit problème que vous pourriez peut-être résoudre. Alors, le mariage, ce fameux mariage. Une bonne pomme vous ferait du bien, vous préférez une tomate, un chou, un poireau? Non, je ne veux rien de tout ça, va te faire foutre. Alors, le mariage. Hop, attendez, je fais une petite pause. Voilà. Alors, il est où ce mariage? Apparemment, on n'a pas le droit d'entrer au mariage. Bonjour. La route de Blancherive n'est plus très sûre. Beaucoup de voyageurs disparaissent. Ouh, le Pinitus au coulatus. Pinitus. C'est les gardes de l'empereur, ça veut dire s'il veut pas. Je suis content que Vitoria et Asger aient organisé une réception publique. Toute la ville pourra partager ce lien sacré qui les unit. Oh oui, alors on s'amuse bien. Oh oui, présider l'union de deux tourtereaux est une de mes prérogatives. Le fait qu'Asger et Vitoria s'aiment sincèrement est une bonne chose. Parce qu'il y en a qui s'aiment pas sincèrement et qui se marient. Ah oui, c'est vrai. Les envahisseurs, les conquérants, nous avons dû les combattre pour préserver nos propres traditions. D'accord, ça s'engueule. Je vais taguer. Bonjour la mariée, ça va vous? Ouais, je joue de la flûte. Bonjour. Si vous voulez mon avis, ils auraient dû engager un quatuor complet. Il y a tout un tas de bardes à l'académie qui auraient sauté sur le... Ah là où, oui, ça s'amuse bien. Merci. J'aime beaucoup chanter au mariage.
C'est l'une des nombreuses tâches pour lesquelles on fait appel à l'Académie des Bardes. Et ton joueur de flûte, alors, à côté, il sert à quoi? Maintenant, vous pourrez dire que vous avez rencontré... Wow, Jarl! Un mariage d'amour et de politique à la fois. Oui, j'espère juste que ça va durer. Le vin monte à la tête et les tempéraments s'enflamment. La mariée se barre, la mariée se barre! Mais elles sont obscurcies par beaucoup d'animosité. Oh, bonjour, mariée! Je peux vous parler? J'espère que vous profitez bien des festivités. Je suis comblée. Toute cette gentillesse pour moi. Oui. Vous avez le bonjour des sombrages. Gloire à la Légion impériale. Oh, inutile d'être timide. Ah. Profitez de cette journée. Mangez, buvez. Ton mari veut te pousser dans la porte. Il y a que des amis ici. Que des amis? Non, c'est pas vrai, il y a que des amis ici. Menteuse, menteuse. Salut. Ce mariage est barbant. Pas vraiment. C'est juste une bande de vieux qui parlent et qui jouent à être importants. Oh. Moi, je voudrais qu'il y ait quelque chose de vraiment chouette. Tu veux quelque chose de vraiment chouette, mon piti? Ouhouhou, on va bien rire. Ah. Moi, je voudrais qu'il y ait quelque chose de vraiment chouette. Aujourd'hui, communion dans la paix et l'allégresse. Non, je vais pas voler la tienne. Tant que je reste à l'écart, ça ne dérange pas les gardes que je sois là. Vous avez tous contribué. Laissez-moi, ça vaut mieux. Alors maintenant, on va tenter quelque chose, que le mari tue la mariée. Alors, du fond du cœur. Victoria! Oh, le marié est mort! Ça va, arrêtez de m'en vouloir. On se calme. C'est pas ma faute, arrêtez. Ça s'est mal passé. En fait, tout le monde m'a capté, sale pied. Il faudrait que... Je continue à penser que mon garçon devrait avoir un mariage nordique traditionnel. Dehors. Ôtez-vous maintenant. Bonjour. Profitez de la fête. Ce jour de paix et de bonheur. Un jour de paix et de bonheur. C'est ça, bah descends en bas, discute avec tout le monde, tu vas comprendre. Elle est où la mariée? Elle est là. Faudrait pas que les gens me captent. Un mariage d'amour et de politique à la fois. Une chose rare. Ils sont chiants les gens de tous me regarder, à les crever. Au mariage de ma tante, il y avait un gâteau d'un mètre de haut. J'étais très malade. Putain, mais vous faites chier, arrêtez de me regarder, bande de noobs. Ah. Tentative. Mais faites quelque chose. Hey. Mais ça marche jamais, ces assassinats. Tout le monde m'en veut, au final. Ce serait plutôt chiant. Bon, je suis en train de faire ce putain de mariage. Pourquoi tout le monde me capte? Ce mariage est barbant. Ils auraient pu je vais les suivre, je vais les buter. Victoria s'en est plutôt bien tirée en épousant cette Asgère. Il n'est vraiment pas désagréable à regarder. Est... Oh là là, Vivienne, je vois que vous êtes intéressée par le mari de la mariée. Allez, va discuter avec tout le monde. Voilà pourquoi je trouve les assassinats moins intéressants. C'est parce que vous voyez que... Qu'est-ce que je peux faire, franchement, de spécial? Assassiner la mariée par derrière, déclencher la fuguerie en ville, la buter. Alors que dans les assassinats du 4, en fait, d'Oblivion, des fois on pouvait faire des trucs vraiment un peu spéciaux en fonction de l'assassinat. Bon, allez, on essaye la vieille méthode. Je te bute. Je voulais simplement vous remercier toutes et tous d'être présents aujourd'hui pour partager cette merde. Quelle beauté. Victoria, non. Revenez. Tout le monde m'en veut. Astrid m'a ordonné de garder un œil sur vous. La mariée a été assassinée. Bon, écoutez, on abandonne toutes mes stratégies de merde et on déclenche l'anarchie. Non mais c'est pas moi qu'il faut attaquer, c'est tout le monde. Battez-vous tous.
Et moi dans la mêlée, je tuerai la mariée. Hop, hop, vous êtes bien. Il y a un peu trop de garde à mon goût. La mariée est à moi. Tiens, t'es morte. Trop mal, trop laid, fuyez la ville. Ah, c'est ça, regroupez-vous, regroupez-vous. On se marre. Baston général. Oh, bonjour, garde de blanche de solitude. Wouh, tout le monde m'en veut à nouveau. Mon copain, ça? Qu'est-ce qu'il fout là? Bon. Pardon, madame! Ta gueule! Oh, esquive! T'es un noob, vous êtes tous des noobs. Ouais, ça part un peu en couille. Bon, je dois avouer que je me suis énervé. Dans le livre 1, j'avais mieux fait cet assassinat. Franchement, j'avais réussi à foutre toute la ville sur le mari pour une raison complètement inconnue. J'avais réussi à déclencher un véritable bordel. Mais bon, là, c'est sympathique aussi, hein. M'aurais pas, c'est trop des nuls. Laisse-moi passer. Ok, d'accord. Mais laissez-moi passer, bande de cons. Oh, je me suis coincé dans une tour. Attendez, je vous connais, Sandek, tu viens de me buter. Oh oh, attention, vous êtes prêts? Wow. Et ouais. Maintenant, ah, vous allez tous vous battre. Peut-être pas. Qu'est-ce que ça fait de pas pouvoir m'atteindre? Tout le monde est en train de se battre. Alors, bande de nous. Eh, c'est des cagites là. Ok, d'accord, tout le monde m'en veut. Je fuis cet endroit. Vous avez déjà perdu d'avance, mais hey, il faudrait peut-être que le combat commence. Oh oh. Oh, je fais du surf sur la montagne. Hop, hop. Wow. Wow, j'espère que vous avez pas envie de vomir parce que putain. Oh, je vois des flèches. C'est le moment où on saute à l'eau avant de se prendre une flèche. Je dois avouer que c'était de l'assassinat de bourrin, ça. Oh, un petit camp. Tout le monde m'a oublié? Non, pas tout le monde, apparemment. Si, c'est bon. Et ben voilà, j'ai réussi à fuir la ville. Putain, c'était complètement bourrin, quoi. Et ben, je vais revenir à la guilde. Et puis dans la prochaine vidéo, eh ben on prendra un petit peu une nouvelle mission, voir comment le mariage s'est déroulé. Je dois avouer que je l'ai fait de manière plutôt bourrin, même très bourrine.
Et je sais pas du tout combien d'innocents sont morts dans la bataille. Faudrait que je revienne à Solitude, un de ces quatre, voir s'il y a des cadavres. En attendant, et ben à la prochaine, pensez à vous abonner. Allez sur mon Twitter si ça vous intéresse, il y a un lien dans la description normalement. Et puis on continue ce playthrough dans la prochaine vidéo. Allez, salut à tous, c'était Cyanus.